Alors, salut, salut, cher ami, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre projet d'élevage. Nous avions commencé un projet d'élevage ici. Donc, je vais vous présenter le projet et vous-même, vous allez voir. Et je vous invite aussi, pour ceux qui sont peut-être dans l'hésitation de pouvoir investir en Afrique, vraiment de passer aussi à l'action. Donc, allons-y. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vous verrez en bas de la description de la vidéo nos différents liens et cliquez dessus pour rejoindre nos différents groupes et vous allez pouvoir aussi poser vos différentes questions par rapport à la thématique qui vous intéresse. Sur ce, let's go, je vais vous présenter un peu les poulets. Alors, ce que nous faisons ici, et tu peux venir. Alors, ce que nous faisons ici, ce sont les poulets locaux. Ce sont les poulets locaux de race améliorée. Donc, ici, nous avons les poulets Goliath et puis les Brahma. Donc, ici, par exemple, je vais vous présenter déjà. Ici, je vais vous présenter une que j'aime bien. Ceci par exemple, ça c'est une poule Brahma. Regardez. Alors pour différencier le poulet Brahma par rapport au poulet Goliath ou bien au poulet locaux simplement, il suffit juste de regarder leur pied. Lorsque vous regardez le pied, vous allez voir, il y a des plumes encore tout autour du pied. Donc c'est ça, regardez. Voilà. Ici aussi c'est pareil. Et ça c'est une poule. Et nous en avons plusieurs. Nous avons des mâles, nous avons aussi des femelles. Comme celle-ci. Et de ce côté, nous avons aussi les mâles ici. Nous avons aussi les mâles. Ça, c'est un mâle Goliath. Vraiment, il pèse bien. C'est un mâle Goliath et ça c'est ceux qui sont ici, ce sont nos reproducteurs en fait. Donc c'est eux qui vont pondre des œufs et ces œufs nous allons pouvoir les éclore pour avoir des poussins et nous allons commencer véritablement le business. Maintenant nous avons aussi les Brahmas comme ceci, donc il y en a dedans là, c'est un peu ça. Maintenant la particularité avec ces poulets c'est qu'ils consomment énormément, franchement. Ils consomment énormément et lorsque vous allez vouloir vous lancer, préparez-vous à leur alimentation parce que ce sont des sujets qui mangent véritablement, les amis. Ils mangent et c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose parce que ils grandissent vite. Donc, si tu prends bien soin d'eux, rapidement tu auras les retombées. Vous voyez un peu, rapidement tu auras les retombées. Donc, il faut vraiment prendre soin d'eux. Lorsque tu prends soin d'eux, tu auras les retombées. Et en même temps nous sommes en train aussi de mettre sur pied un projet de pisciculture à côté. Donc nous avons, je vais vous présenter ça tout à l'heure, et nous allons ajouter aussi à ça les lapins. Maintenant les lapins que nous voulons faire, ce sont les races hybrides. Donc c'est l'agencement de Ila Plus, de la race Ila Plus, plus la race locale. Donc ça veut, et ça fait la race hybride. Donc c'est ça que nous voulons faire. Donc en tout cas, je ne peux que vous encourager, chers amis, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans ces genres de business, lancez-vous. Et surtout pour nous les Béninois, si vous êtes un Béninois, je ne peux que vous encourager aussi. Il n'y a pas de la concurrence. Le marché est vraiment vaste pour tout le monde. Surtout que le gouvernement a décidé, d'ici la fin de cette année, elle ne va plus accepter les importations de produits congelés, notamment les poulets, les poissons et autres. Bon, je ne sais pas s'il y a encore les poissons dedans, mais principalement les poulets. Vraiment, c'est interdit et la décision a déjà été prise. Donc, si vous êtes un Béninois, il faut vous lancer parce que vous allez profiter de ça. Les gens ont besoin vraiment de manger. Les gens veulent manger. Donc, lorsque vous allez produire vos poulets, ils viendront naturellement acheter les poulets chez vous. Et lorsqu'ils vont acheter les poulets chez vous, bon, vous allez vous faire de l'argent, c'est ça. Maintenant, allons de l'autre côté.
Je vais vous présenter ici. Alors, de ce côté, nous avons le magasin et en même temps la chambre du gardien. Donc, c'est ça ici. Et lorsque vous venez ici, bon, c'est ici que j'ai mis le tableau et je mets tout ce que nous faisons sur la ferme, c'est inscrit sur le tableau. Chaque semaine à son programme. Donc c'est inscrit sur le tableau là. Maintenant, derrière ici, voilà le projet que nous sommes en train de mettre sur pied. Derrière ici. Alors, de ce côté, voilà le bassin que nous sommes en train de faire là pour la pisciculture. Et ce ne sera pas vraiment le seul bassin, il y aura plusieurs bassins. Et non seulement ça, nous allons élargir ça encore un peu devant quoi. Donc voilà un peu cher ami, je ne peux que vous encourager à vous lancer dans ces différentes activités parce que si on ne le fait pas, bon, naturellement les étrangers viendront prendre le marché à notre place et ça c'est normal. Donc voilà cher ami ce que j'ai voulu partager avec vous. Et pour ceux qui aimeraient quand même investir avec nous, si vous avez envie d'investir avec nous, regardez dans la description de la vidéo le canal destiné à ça. Rejoignez-nous sur le canal et ensemble nous allons parler de business. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et je précise, préparez-vous aussi à commencer par passer les commandes parce que c'est à vous que je vais vendre le poulet. Bien cher encore, minimum 10 000 francs. Préparez-vous les amis. Sur ce, on se dit à très bientôt.